toi là-bas là. On se les fait quand même ce matin là, enfin cet après-midi, enfin c'est aujourd'hui, on va dire aujourd'hui. Je te propose de faire un petit tour à Dinard, puis de voir ce qu'il y a à voir, les points principaux, les petits trucs kitsch, les petits trucs sympas. Puis voilà quoi, sans prise de tête, comme moi. Dinard du coup, rien à voir avec Dinan, Dinard on est situé sur, sur la Rance aussi, mais en face de Saint-Malo, vraiment au bout, au niveau de l'embouchure en fait de la Rance. Malgré sa position en face de Saint-Malo et plutôt côté Côte d'Armor, on est encore en Ille-et-Vilaine. On est encore en Ille-et-Vilaine. C'est parti. Une activité agréable à faire lors d'une belle soirée d'été est de se promener sur la promenade du clair de lune de Dinard. Vous pouvez profiter de la brise fraîche de l'océan tout en admirant la vue magnifique sur la mer et Saint-Malo en face. De plus, la promenade est plutôt bien éclairée en soirée, ce qui crée une ambiance romantique idéale pour une soirée en amoureux et pour être sûr de conclure. Les restaurants et cafés présents sur la promenade vous aideront à créer le cadre ultime d'un bon kiff, agréable et détendu. L'autre possibilité est de faire comme moi et privilégier plutôt la fraîcheur du matin où quelques promeneurs et joggeurs arpentent les environs. Une bonne partie de la promenade est en plein est, vous profiterez du lever de soleil, de ses couleurs et de sa chaleur. Caliente. La promenade vous emmène tout droit vers la pointe du Moulinet. Magnifique avancée rocheuse dans la mer où quelques villas de luxe profitent d'un cadre unique avec de multiples panoramas sur la Rance d'un côté et la Manche de l'autre. Faites le tour de la pointe pour arriver sur la plage de l'Écluse, faisant face au casino et au centre-ville. Séduit par le charme de Dinard, une grande communauté britannique influence dès ses débuts le mode de vie de la station. D'où les architectures riches en briques ou encore en beaux windows. Une église anglicane, et même un festival du film britannique verra le jour dans les années 90, et se poursuit toujours aujourd'hui. D'ailleurs, on retrouve toute une série de cabines de plage nommées d'après des comédiens, producteurs, etc. Après avoir fait le plein de sucre dans l'une des multiples enseignes gourmandes et dépensé le reste de votre bourse dans les boutiques alentour, reprenez la direction de la plage pour continuer le long de la mer. Poudre rempart, arches, décors un petit peu médiéval prennent le pas sur l'architecture. Et c'est à l'abri du vent que je vais te parler du sponsor de cette vidéo, qui est, roulement de tambour, toujours moi. Et ouais, c'est moi qui finance ces vidéos, ces découvertes, ces aventures, ces expériences. Maintenant, tu peux m'aider pour développer cette chaîne et puis pour continuer à créer du contenu. Et c'est tout simple, je t'ai mis des liens en description qui t'orientent vers ma boutique en ligne où tu peux te procurer mes photos, mes plus belles photos autour de la Bretagne. Donc si t'aimes les vidéos autour de la Bretagne, tu pourrais aimer les photos que je fais autour de ce même thème. Tu peux l'installer dans ton salon, dans ta chambre, comme ça tu te lèves le matin et boum! Lever de soleil sur le Cap Frêle. Ça, si ça met pas tout de suite une ambiance de bâtard, pardon, une bonne ambiance. Il y a peut-être des enfants qui regardent cette chaîne. Les liens sont en description, ça m'aide. Et puis, toi, ça te fait une belle décoration dans ton salon, notre salle manchée. Allez, t'es reparti sur Dinard. Tout en admirant le courage et la bravoure de ceux qui ont décidé de faire cette même promenade, mais sur l'eau, vous approcherez tranquillement de Saint-Enoga, qui était d'ailleurs le nom officiel de la commune de Dinard jusqu'en 1879. Saint-Enoga est devenu Dinard-Saint-Enoga, de 1879 à 1921, et finalement Dinard depuis 1921. Le quartier Saint-Enoga est vraiment très sympa. On peut y apercevoir la Villa Les Roches Brunes. C'est tout pour moi pour Dinard, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire, tu likes, tu partages autour de toi, puis moi je te dis à une prochaine vidéo. Allez, tchuss !